T'es prêt pour nos vidéos? Ben oui, parce qu'il y a un petit peu de vent en haut. On est Fanny et Valérie. C'est nous les Julies. Ensemble, on s'est aménagé une van, on a quitté la ville, on est parti à l'aventure. For 1,000 years, these magnificent trees appeared on the coast in large numbers about 5,000 years ago. Wow. So that the Pacific Coastal peoples achieved many of their cultural advances in conjunction with the increasing abundance of cedars. The cedre rouge. Amy and Fanny. Te le dis. Et puis, comment vous avez trouvé les gros arbres? Gigantesques! Hors de nature! Surnaturel! Ok, c'est bon, c'est pas. Ils ont 800 ans! Et plus, parce que quand ils ont écrit la pancarte, moi j'ai vérifié, c'était pas cette année. Fait que j'ai plus que 800 ans. En fait, quand Jacques Cartier est arrivé ici au Canada, lui, ça faisait 300 ans. L'arbre avait déjà 300 ans. Je peux demander de l'information. Mais en fait, Jacques Cartier, on ne sait pas vraiment s'il a vu l'arbre, parce que comme Amy te le dit, Jacques Cartier n'est pas arrivé ici. Il est arrivé dans l'Est. Il est mort tout de suite après son arrivée. Bon, Jacques Cartier. La marée de la mer remonte, tout ça c'est recouvert. Quand on descend, bien, toutes les piscines se sont formées par l'érosion des roches. Il reste plein d'eau avec plein d'êtres petits vivants. C'est un aquarium naturel ici.